Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo un peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de Sportleader. Alors Sportleader c'est quoi ? Eh bien en fait je suis devenu responsable de la partie PC de ce site, d'accord ? Donc c'est quelque chose de très important maintenant pour moi et c'est pour ça que je fais cette vidéo à part et que je vous en parle réellement parce que ça me tient vraiment à cœur. C'est quelque chose qui me, qui va faire partie de ma vie, donc voilà. Je serai devenu responsable de la partie PC. Ce qu'il faut savoir sur ce site, c'est un site communautaire de e-sport où vous pouvez faire des matchs contre d'autres joueurs, tout simplement. Et donc il faut savoir qu'il y a 110 000 joueurs inscrits sur la partie Xbox et 1,3 million de matchs lancés. D'accord ? Il y a des tournois, il y a des coupes. Je vais vous montrer un petit peu à quoi ressemble la partie Xbox, tout simplement. On est donc sur le site ici. C'est la première. Alors ça, c'est la version du site actuelle. Il y aura une nouvelle version qui va ouvrir dans les après les vacances d'été. Après les vacances, je vous en reparlerai de toute façon. Mais il y aura une nouvelle version du site, beaucoup plus jolie, beaucoup plus ergonomique. Enfin bref, tout ça, ça va arriver. Mais là, on est déjà sur quelque chose qui est très très conséquent puisque c'est le numéro 1 français du e-sport. Voilà, vu qu'il y a 1,3 million matchs lancés, 110 000 joueurs. Et donc moi je suis devenu responsable de la partie PC. Voilà, donc voilà, je vais vous présenter très brièvement un petit peu ce qu'il y a dans la partie Xbox. On a donc des jeux sur Xbox de tout type. Si par exemple je voudrais jouer à du Black Ops 3 en ladder, par exemple du ladder en team, il y en a beaucoup qui font en team parce que c'est aussi comme ça qu'on peut se faire repérer tout simplement. Et bien voilà, vous gagnez des matchs et vous avez donc votre ratio machin, vous avez tout qui est référencé avec vos nombres de points. Et à la fin de chaque saison, la fin de saison c'est marqué là, donc c'est le 21-03, et bien vous avez des récompenses ou ce genre de choses. Et le tournoi c'est pareil, vous pouvez avoir des tournois, des coupes, etc. Donc beaucoup de choses comme ça qui sont présents sur le site. Et donc aujourd'hui on ouvre la partie PC et je vais vous montrer à quoi ressemble la partie PC et les jeux qu'il y aura dessus. Alors voici la partie PC. Donc vous allez voir tous les jeux qui sont présents sur la partie PC. Oui, on a du League of Legends, du Rocket League, du Dofus, les gars, du Dofus, Crossmaga, Hearthstone, CSGO, FIFA. Il va y avoir Overwatch, on a du Rainbow Six aussi, mais il va y avoir voilà, d'autres jeux qui vont arriver, peut-être du Starcraft 2, du Battle Ride, ce genre de choses. Donc voilà, déjà vous pouvez voir qu'il y a une bonne base de jeux sur le site, hein, tout simplement. Et ensuite, eh bien, il y en aura qui vont se rajouter. Donc, je parlais d'Overwatch et il y en aura d'autres qui vont se rajouter petit à petit. Voilà. Ensuite, du coup, ce qui est pas mal, c'est que par exemple sur Dofus, il n'y a pas de e-sport. Ça n'existe pas sur Dofus. Et bien là, par exemple, vous pouvez faire du e-sport sur, pour un level 200 en solo, en 1v1, avec différentes maps que vous pouvez choisir parmi les maps qu'on a référencées, etc., etc. Et monter dans le ladder. Et gagner, pourquoi pas, des récompenses, etc. Donc il y a beaucoup de choses comme ça. Il y aura peut-être des tournois qui vont se mettre en place. Beaucoup de choses comme ça. La TV qui va arriver, Sportleader, où je streamerai dessus. Voilà, donc pas mal de choses comme ça qui vont arriver. Donc je vous invite à venir sur le site. Le lien est dans la description. Pour s'inscrire, c'est très simple. Je vais me déconnecter, tout simplement. Et du coup, on va aller s'inscrire. Donc créer un compte. Et donc je vous invite... alors les inscriptions sont pas ouvertes parce que à l'heure à laquelle je tourne, voilà, coming soon le 3 février à 20h. Je vous invite à venir vous créer un compte et vous mettez le code Unix dans votre parrain parce que ça va me permettre de vous faire des giveaways de clés Steam, de jeux, etc. Je vous ferai ça, vous pourrez les gagner très 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 facilement. Donc voilà, je vous invite à aller faire ça. Allez vous inscrire, mettre le code Unix, ce sera très important pour moi. Je remercie toutes les personnes qui le feront. Et en plus, on pourra se défier en live ou pas sur les différents jeux présents sur le site, tout simplement. Je vais me reconnecter. Ok, donc je me suis reconnecté. Donc voilà, voilà, on pourra se défier sur, eh bien, par exemple, du Dofus pour ma part, ça c'est fort probable. Pourquoi pas du Rocket League? Il faut que j'achète le jeu, mais on pourra se défier sur du Rocket League, sur du League of Legends en 1v1. Déjà là, il y aura un classement sur League of Legends en 1v1. Vous pouvez faire du vrai 1v1. Alors bien sûr c'est sur la map Aram, parce que logiquement voilà, 1v1 on va pas faire ça sur n'importe quelle map. Mais on a choisi du coup la map Aram. Et ensuite c'est en fonction des joueurs si vraiment ils réclament. Mais de toute façon je pense que là ça restera pour du solo Aram. Et ça c'est vachement bien parce que du coup on peut se défier et gagner en points et prouver qu'on est vraiment le meilleur sur le jeu en 1v1 ou quoi que ce soit. C'est des modes de jeu qui ne sont pas forcément présents sur le jeu de base et qui vous permettent de monter en classement. Et donc il y aura des tournois, etc. Mais je me répète un petit peu là-dessus. Et donc voilà, il ouvre ce soir, et c'est pour ça que je vous en parle. Il ouvre au moment où je poste cette vidéo, il est ouvert. Donc je vous invite à aller vous inscrire et à rentrer le code Unix. Voilà, tout simplement.
Bah voilà, j'espère que voilà, je vous ai pas trop embêté avec ça parce que c'est quelque chose qui maintenant va être important pour moi puisque je suis responsable. Donc forcément, je vais vous attendre sur le site. Et c'est devenu un partenaire de la chaîne aussi, donc je streamerai sur leur stream de temps en temps sur la web TV Sportlader tout simplement. Voilà, et donc voilà, c'est pour ça que je vous dis ça, parce qu'il va y avoir des giveaways suite à ça. Je vais vous faire des giveaways, je vais vous donner des clés Steam, des clés du jeu, des clés machin. Enfin voilà, il y aura pas mal de choses qui vont arriver. Donc je vous invite vraiment à aller vous inscrire et aller mettre le code Yonix dans Parrain. Voilà. Bon, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve pour d'autres gameplays de jeux, hein, bien sûr, hein, sur Ark, Conan, etc., etc. Et puis voilà, portez-vous bien. C'était Yonix, merci de m'avoir écouté. Merci à ceux qui vont voir, parce que c'est pas pour rien qu'il est premier dans l'e-sport. Hein. 1,3 million maintenant, c'est pas rien. Donc c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà, donc allez voir ça. Et puis on se retrouve très bientôt. Portez-vous bien. C'était Yonix, et tout le monde.